L'histoire que l'on va vous raconter se passe au printemps. Il faut savoir que l'hiver, les abeilles ne sortent pas. Elles sont serrées les unes contre les autres. Elles se tiennent au chaud. Elles se nourrissent grâce aux réserves de miel que l'apiculteur a laissées. Il récoltera celui qui se trouve dans le casier du haut où la reine n'ira pas pondre. Maintenant, l'histoire va commencer. Dans la fraîcheur du matin, au réveil, plus d'habitants dans la ruche. Plus d'ouvrières, plus de faux bourdons. C'est normal, il est chassé dès l'automne. Et même plus de reines. C'est bien étrange. Groseille, c'est la petite abeille avec des antennes rouges et rondes en forme de groseille. Son métier est d'être la fée du logis. Oui, il y a plusieurs métiers dans la vie d'une abeille. Dame cantine, agent de sécurité, la conquête des fleurs. Elle décide de mener l'enquête. Elle prend son envol toute pressée. À peine sortie de la ruche, elle est emmenée à nez avec une guêpe. Pousse-toi de mon chemin, je veux rentrer à l'intérieur de ta ruche. N'y pense même pas, je ne te laisserai pas faire. Va-t'en! Et toi, l'abeille, où se cache ta ruche? J'ai faim. J'aimerais tant déguster ton bon miel parfumé. N'y pense même pas. En quelques tourbillons, Groseille fait tourner les yeux de l'ours. Il la perd de vue et elle s'enfuit. Groseille rencontre sur son chemin une grenouille verte de peur qui plonge dardard dans la mare. Une sauterelle s'approche de l'abeille. Que fais-tu, petite abeille? Tu as l'air triste. Cherches-tu un ami? Je suis à la recherche de ma colonie. Au même moment, un frelon asiatique surgit de nulle part. Brrr.
Groseille, tremblante de peur, s'enfuit et se cache derrière le chalet de l'apiculteur. Ouf, le danger est écarté. Hourra ! Hourra ! Hourra ! Groseille aperçoit l'apiculteur. L'apiculteur est le seul à comprendre le langage des abeilles. Groseille se pose sur son chapeau. Bonjour, monsieur l'apiculteur. Mes amis, les abeilles ont disparu. Ah bon? Plus d'abeilles, plus de reines. C'est grave, très grave. Les abeilles sont tellement utiles sur la planète. Ce sont peut-être les pesticides que l'on utilise qui ont tué mes amis. Sommes-nous, la planète est en danger. Comment s'appelle ta reine? Elle s'appelle Lorraine. Ah, ne t'inquiète pas. J'ai déplacé ta colonie à côté du champ de lavande. Groseille heureuse vole à toute vitesse dans la direction indiquée par l'apiculteur. Elle danse les abeilles. Elle danse sur le ciel. Elle danse sur les fleurs. Elle danse tout leur cœur. Si un jour je me réveille et qu'il n'y a plus d'abeilles, ça ne serait plus pareil. Il faut qu'on se réveille. Elle survole Dina et Valentine. Elle danse les abeilles. Elle danse. Dina et Valentine pique-niquent dans un champ. N'aie pas peur, Dina. Cette abeille ne te fera pas de mal, même si on dit qu'elle pique mieux qu'une aiguille. Ouais. Les abeilles transportent le pollen sur d'autres fleurs, qui deviendront des fruits ou des légumes. Elles font partie des insectes pollinisateurs. Et elles ont un rôle très important dans la chaîne alimentaire. Comme elle est belle. Elle est aussi jaune que le soleil. L'apiculteur récolte son miel. Elles peuvent fabriquer différentes variétés de miel. D'acacia, de tournesol, de tilleul, de thym ou de framboise, etc. etc. De lavande et bien d'autres encore. Oui, c'est le bon miel que je rajoute dans mon yaourt ou sur ma tartine de pain. Groseille retrouve enfin sa colonie, folle de joie. Les uns est en bonne santé et au complet. Tout le monde est réuni autour de la reine. Youpi! Soudain, Mireille, l'abeille bitumineuse, entre dans la ruche en dansant. Quelle étrange danse! Elle danse ainsi car elle a repéré un bel endroit à butiner et elle veut nous indiquer le chemin. Elle danse les abeilles. Plus d'abeilles.
la suit alors jusqu'à un magnifique champ de lavande. Quel bonheur de butiner cette lavande au pied de la Sainte Victoire. Je me régale. Si un jour je me réveille et qu'il n'y a plus d'abeilles, ça ne serait plus pareil. Il faut qu'on se réveille. Par un heureux hasard, ce jour-là, un peintre dessina le SOS sur sa toile, qui devint célèbre et fit entendre le cri d'alarme des abeilles au monde entier. Elle danse sur les fleurs, elle danse tout leur cœur. Si un jour je me réveille, et qu'il n'y a plus.